Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée les enfants. Toi tu es toujours en train de te planquer. Bienvenue à la clinique. Eh les enfants, je vous ai dit que dans cette histoire de Amourou Belinga, il y a des trucs de dingue. Je vous ai dit, on secoue, il y a des fruits qui vont tomber bizarres. Là, on va trouver un lien entre Bruno Bidjan. Parce qu'à un moment, il va jouer un rôle important, vous inquiétez pas. Tu connais que tu vas jouer un rôle important, Bruno Bidjan. Je t'ai dit que tu ne pouvais pas devenir président du groupe de tous les anecdotes sans que Amourou t'ait d'abord mouillé bien. Parce que pour qu'il soit sûr qu'il peut te faire confiance, il a dû d'abord te mouiller dans des saletés. Donc, toi, tu es déjà cuit. Mais tu es le lien entre beaucoup de gens. J'ai appris, par exemple, que on va se servir de ton téléphone, toi, Bruno Bidjan, pour tracer tous les autres influenceurs ou les artistes, des gens à qui toi tu aurais donné de l'argent pour qu'ils essayent de blanchir les hommes lois. Donc les petits gars qui sont en train de faire des tribalistes compulsifs sur Internet là, c'est toi qui les as payés pour qu'ils viennent défendre les hommes lois. Donc, dans la même exploitation donc de ton téléphone, on est tombé sur un bonhomme qui s'appelle Paul Desibia. Je parle de parce que c'est des petits patients qui traînent toujours ici à la clinique. Et tous les jours, je vous dis toujours que ces petits jeunes qui vous voyez traîner autour de vous là, c'est des parasites. C'est des parasites. Donc, ce bonhomme qu'on appelle Paul Desibia, son nom apparaît donc dans le téléphone de Bruno Bidjan. Moi, c'est le Congos que j'ai entendu de l'autre. Ça arrive dans le téléphone de Bruno Bidjan. Et quand tu dans le téléphone de Paul Desibia, le Paul Desibia, son nom est toujours lié à des affaires louches. C'est un bonhomme que son nom est toujours lié à des affaires louches. Les gens racontent même que c'est même un agent des services, que c'est un agent des services secrets, que là où il est là, c'est un indique. Tout son travail, c'est que c'est un indique. Il met les gens dans les problèmes. Il met les gens. Le gars qu'on appelle Chebo Chebo. Un bon petit gars que j'avais croisé un jour à Bruxelles, dans une de mes marches perdues, il y a longtemps. Il était parti en prison au Cameroun. Il était en contact avec le Paul Desibia que vous voyez là. Il y avait un autre Bassa qui faisait le tribalisme compulsif comme ça là. Mort, ma type. Lui-même était parti à Contengui. Toujours, il était en relation avec le Paul, le même Paul Desibia. C'est le même Paul Desibia qui était le patron de la télévision de Steve Fa. Steve Fa lui-même. Je vous ai dit que ces jeunes-là dont je vous parle tous les jours, ils vous en regardent, ils réussissent les choses au pays, ils sont ceci. Où ça? Mais c'est parce que vous ne les voyez pas, vous n'avez pas le vécu. Hein? Parce que nous, on a grandi là à Yaoundé. Mais grandi là à Yaoundé, frère. Rien d'autre. J'ai vu tout le monde venir grandir devant moi. Je les connais. Je le connais. Donc, Steve Fa avait nommé le Paul Desibia patron de sa télé. Bon, la télé lui-même, Steve Fa lui-même, bon, c'est un autre cas de figure. On va pas s'arrêter là dedans et tout. La dernière interview de Martinez Zogo, où Martinez Zogo tire à la mitraillette sur presque tout le monde. Il était en interview chez le mec qu'on appelle toujours le Paul Desibia. Et là, il vient d'apparaître dans le téléphone de Bruno Bidjan. Vous voyez, je vous dis toujours que les histoires que vous entendez, que le téléphone, il faut faire très attention avec ça. Il envoie un message, parce que c'est le message qu'il envoie, le message que Bruno Bidjan envoie à Paul Desibia. C'est le message-là qui est interprété comme étant une menace à Martinez. C'est-à-dire que Bruno Bidjan est énervé, il décide de fanfaronner dans le téléphone de Paul Desibia. Il s'énerve, il veut lui montrer sa force, parce qu'ils sont toujours dans les logiques de... Donc Bruno Bidjan envoie un texto très rapide à son pote Paul Desibia. Que les voilà, parce que quand Martinez a déjà commencé à allumer dans l'embouteillage et tout, le gars envoie un message en tant que... Les voilà qui nous attaquent. On ne dit rien. Ça, c'est vraiment le Camerounais. Les voilà qui nous attaquent. On ne dit rien. Je vous avais dit que le truc avec le djinda compulsif, c'est qu'il n'existe plus. Il est l'autre.
Je vous avais dit que quand le zomlo a mal à la bouche, à la dame, Bruno Bidjan, il a mal dans toute la bouche. Quand le zomlo est malade, Bruno Bidjan dit, nous sommes malades. C'est-à-dire, il sent, là, c'est pour lui. Ok? Ça dit que quand le zomlo est content, Bruno Bidjan dit que nous sommes contents. Et là, vous voyez, dans le message qu'il envoie à son pote Paul Désir Biya, c'est de lui dire que les voilà qui nous attaquent, on ne dit rien, donc il est à nous. Pourtant, on parlait pas de lui, à Bruno Bidjan. En rien du tout, il est seulement le présentateur du journal, le mari de Ivana et Somba. Il n'est pas amoureux, mais il le sent comme le nous. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est là-bas. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est là-bas, parce qu'il avait atteint le nous. Il avait atteint le niveau du nous. Jeune Camerounais. Quand vous partez, vous accrochez sur les bagarres des gens que vous ne connaissez pas comment ils sont arrivés là, juste pour survivre. Le nous que vous partez créer là, c'est un nous qui est un poison. C'est un nous qui. Parce que le nous là qui amène Bruno Bidjan. Qui amène Bruno Bidjan dans la situation là où il est là. Parce que s'il n'avait pas encore atteint le niveau du nous, vous voyez bien que il s'appelle comment Marcel Ouna encore chez lui. Il n'avait pas encore atteint le niveau du nous. Pas le niveau du nous, c'est un niveau d'assimilation fondamental. C'est-à-dire que le type a pris l'âme, l'esprit et tout. Ok? C'est important ce que j'essaye de vous faire comprendre. Quand j'étais à Bruno Bidjan, quand Bruno Bidjan disait que, oh, si mon boss me demande d'aller tomber dans un trou, je cours, je m'en vais tomber dans le trou là. C'est l'expression du nous. C'est l'expression du nous. C'est ça qui vous rend très agréable. Et c'est pour ça que les vieux qui sont là survivent. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont mis dans la logique du nous. Et il y a beaucoup de jeunes qui se sont mis dans la logique du nous. Vous comprenez ce que je dis, les enfants? Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis, Yoda? Tu crois qu'ils comprennent? Peut-être. Il dit peut-être. Parce que beaucoup de jeunes se mettent... Et c'est ça qui maintient ces vieux. C'est pour ça qu'on manque d'audace, on manque de courage, on manque d'imagination et tout. Tout le monde dit, j'ai peur de me lever, j'ai peur de ceci. Oui, parce que le nous favorise la corruption. Quand il envoie le message comme ça à son pote Bruno Bidjan, il s'appelle Paul Désir Biya, il lui envoie un message pour lui dire qu'ils vont s'énerver. Il dit que quand on va réagir, on, vous voyez, il est toujours dans l'assimilation, il s'est assimilé à l'autre. Vous êtes des milliers comme ça de jeunes. Dès qu'on t'a pris petit au travail, dès que tu as, là, tous les fonctionnaires, presque tous, ils sont dedans. Tous les petits jeunes que vous voyez en train de frimer avec leur RAV4 et leur voiture de luxe, leur veste pointinini. Je suis conseiller technique à ceci. Je suis au ministère des impôts. Je suis ceci. Vous les voyez là, les petits sélectionnés. C'est les petits nous. C'est les petits nous. Quand vous les voyez comment ils s'allongent devant les vieux là, mais vous ne pouvez pas comprendre. C'est-à-dire que vous voyez comment le gars se couche devant un ministre comme ça, un jeune du 21e siècle. Et c'est là-bas qu'il prend le pouvoir pour venir assujettir les autres jeunes. Tout d'un coup, les yeux, ils restent là. Parce que tout ce qui est audace, ça meurt dans le nous. Le nous corruptible. Le nous corruptible. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, les enfants. C'est très important. Il dit, quand on va réagir et riposter, il n'a que les mots de l'arrogance. Le message de... C'est pour ça qu'on a interpellé Paul Désir Biya. Je vous décrypte ce message pour que vous compreniez pourquoi on a interpellé Paul Désir Biya. Le caractère tendancieux, c'est comme une menace que va dire Martinez. Il a mis dans les problèmes. Il a mis le Paul Désir Biya. Mais le Paul Désir Biya, lui, c'est un... Peut-être quand il avait envoyé le message à Paul Désir Biya. Paul Désir Biya, lui, l'a envoyé ça à ses patrons. Oui, parce que si on passe seulement à la logique de que Paul Désir Biya lui-même, ça n'indique là dans Yaoundé. Est-ce qu'il a gardé le message là? Il n'a pas gardé. Il a envoyé. Il a envoyé à ses patrons. Donc il savait, c'est un message avec beaucoup de dangerosité et de gros mots. Quand on va réagir et riposter, les gens vont encore crier sur nous.
Ils vont crier sur nous. Voilà qu'on crie donc. Ils ont donc réagi et riposté. Et les gens ont donc crié sur eux. Voilà qu'ils crient donc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout d'un coup, voilà l'entrée en scène de l'homme qu'on appelle Paul Désir Biya. Donc on va ajouter son nom sur la liste qui font que lui, si vous marchez dans Yaoundé, il faut faire attention à ce bonhomme. Si vous avez vos choses, ne partez pas partager avec lui. Évitez-le. C'est un type à problème. Le Paul Désir Biya est un type à problème. Donc faites très attention à lui. Faites très attention à lui. C'est le téléphone. C'est le téléphone. Et c'est ça qui m'amène à vous ramener dans notre prison break d'aujourd'hui. Parce que l'histoire du téléphone que vous voyez là, dans la prison, le téléphone est extrêmement important. Il y a des gens qui pensent que les gens n'ont pas de téléphone en prison. Non. Il y a le téléphone en prison avec tout le réseau. Avec tout le réseau, comme dans les films. Et si tu n'as pas le téléphone en prison, c'est comme si tu n'as personne dehors. C'est comme si tu n'as personne dehors. Parce que c'est ton contact avec l'extérieur. Donc quand on était allé, quand on était en prison, je me suis très vite battu pour avoir un téléphone. Pour pouvoir parler avec maman, la nuit. Je passe mon, dans sur mon mandat parce que je dormais en haut comme ça, la Paul Eric King est dormait en bas, le feu Paul Eric King est. Le grand frère la ronflait. Wow, Seigneur. Hey. Le grand frère a été une locomotive. Je n'ai jamais autant souffert de ma vie. Le grand frère la ronflait, papa. Donc, il dormait en bas, moi je dormais en haut. Donc il prend mon téléphone comme tout le monde. Tu passes sous ta couverture. Et tout en général. J'ai fini sous la couverture. Moustiquaire. J'étais là avec le téléphone. J'envoie les messages à maman. Pose-toi un peu, c'est mon petit. J'envoie les messages à maman comme ça là. Elle me dit, ça va aller, t'inquiète, tatati. Elle était toujours triste tout le temps, le soir, la nuit. Je lui envoie des messages. Elle m'envoie des messages aussi. Je parlais aussi parfois avec mon ami Isoko. Isoko Risbo a envoyé des messages et tout. J'étais là et tout. Et on avait toujours, j'avais donc mon petit téléphone comme presque tout le monde. Le truc intéressant, c'est que Maurice Kamto, le président élu, n'a jamais eu le téléphone chez Wanda. J'avais quand même Wanda sur cette histoire. Mais il savait. Il savait. Parce que même quand tu as le téléphone, tout le monde sait que tu as le téléphone. C'est toi qui crois que les gens ne savent pas. Même le régisseur, les gardiens de prison. C'est eux qui t'ont amené le téléphone, non? C'est eux qui t'ont amené le téléphone. Donc, le gars dit que non, il dit, laissez-moi tranquille avec cette histoire de téléphone. Mais non, ça, moi, j'étais toujours, je parlais et tout. Ça me faisait du bien. C'était mon contact avec l'extérieur. Donc, ça devient, ton téléphone devient la chose la plus importante de ta vie. La plus importante de ta vie. Donc, quand on prend le téléphone, là, Seigneur, c'est l'une des plus grosses infractions. L'une des plus grosses infractions, c'est qu'on a arrêté quelqu'un avec le téléphone. Donc tout le temps que j'étais en prison, je priais sur le ciel que Seigneur, j'espère qu'on ne va jamais m'arrêter. Et j'avais toujours des moyens, on cache n'importe où, jamais, j'étais toujours bloqué. Tout le temps, on était pas aidé. Ils ne m'ont pas vu. Et puis le mauvais jour est arrivé. Le mauvais jour est arrivé. J'étais en train de parler comme ça avec maman, tac, 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 tac. Et je me suis endormi. Hey, vivre dans le sud, qui vive dans la prison, c'est horrible. Je me suis endormi. Et pendant que je dormais, on était à 4 heures du matin. C'était la débandade dans notre cellule. 12 gardiens de prison. Voilà. Debout, 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 ils tapent. Les gens, ils se lèvent et tout. Tu vois, les grands frères, ils sont. Les gens sont là. Heureusement qu'on dormait avec des pyjamas, mais des têtes de n'importe quoi. Ça dit l'humiliation à outrance. Moi, je trouvais ça très humiliant. Vous voyez, les gamins, ils sont là. Ils vous disent descendez, descendez. Allez, commence à vous fouiller dehors, dehors. Ils fouillent le truc, tout ça là. Ça ne les a même pas pris une seconde.
Dès que le gars est monté comme ça, là, sur mon mandat et tout, téléphone m'attendait. J'étais assis dehors, frère. Mon cœur cognait tellement fort que j'ai commencé à manquer d'air pour respirer. Je ne respirais plus parce que je savais que mon téléphone était sur le lit. Je ne respirais plus. Le type est venu comme ça devant moi. Je sentais ses pieds marcher. Je disais, ah, lui, il a trouvé le téléphone. Oh, lui, il est en train de venir vers moi. Même il bouge ses pieds comme ça, je sais, je sens dans ma tête que c'est lui qui vient. Et c'était le gardien. Il dit que, monsieur, c'est à vous ça. Il sait, hein? Il te pose la question pour t'humilier. C'est à vous ça. Tu vas dire quoi? Que non, c'est pas pour toi. Il dit oui. Il dit que bon, ok. Il prend, il met dans le sac, il part. Ils ont tout fouillé, ils ont parti. Voilà. J'ai eu le palu, j'ai eu aussi un peu mal au ventre et tout. C'était la catastrophe. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire parce que l'ascension est claire. Déjà, tu dois faire pratiquement 3 mois, tu n'as pas de visite. Parce que quand on t'attrape avec le téléphone, c'est l'une des plus graves ascensions. Donc, 3 mois sans visite, tu n'auras pas de visite, personne ne va venir te voir. Donc, maman ne va plus venir me voir. Mon père ne va plus venir me voir. Pendant 90 jours, je serai là, mon cerveau il pouvait éclater. Et maintenant, il faut partir en isolement pendant 1 mois. L'isolement, c'est une salle de... Mais ce n'est pas possible, les gars. C'est-à-dire que c'est la prison dans la prison. Même l'air que tu respires est un poison. C'est-à-dire que quand tu es dans la salle de l'isolement, même l'air que tu respires est un poison. Évidemment, tu as les chaînes, tu fais le pingouin. Quand on te met les chaînes au pied, là, il n'y a pas de que je vais aller me laver. On enlève pour que j'aille me laver. Non, tu te laves avec. Les gars, l'être humain dans la situation carcérale, dans la prison, au Cameroun n'a pas de valeur. Tu dois réduire ta valeur. Quand tu vois un petit gardien de prison, moi, me vois un gardien de prison, frère, je suis quand même le général, mon pépé. Tu vois. Mais le gardien de prison, il te dit que, frère, des meubarassons entrés ici, on les a matés. Les plus grands que toi sont venus ici, ils ont commencé à nous appeler. Toi, tu vas venir nous faire quoi? Donc la première domination qui veut te ramener, c'est que ce que tu étais dehors, c'est rester dehors. C'est rester dehors. Tu entends, non, Bruno Bijan? Ce que tu étais dehors, c'est rester dehors. Tous les gars qui te t'appellent au café, c'est fini. Le gars va venir te raconter. Un gardien de prison est venu avec un téléphone un jour, il me dit qu'il faut que je fasse la vidéo pour sa fille, avec sa femme. Le gars, il nous force. J'avais lui dit quoi? Le gars dit que bon, Valcero, Tu vas faire une vidéo pour mes enfants, non? C'est l'anniversaire de ma femme. Elle fait quoi? Parce que derrière, j'ai aussi mes petits privilèges. Peut-être qu'il va me faire entrer mon coca, là, j'ai aussi, pour la vidéo, là. Donc, du coup, je fais. Mais il ne te respecte pas. Il ne te respecte pas. Donc, j'étais là dans cette situation en train d'attendre. Toute la journée, je suis là, je suis malade, je vomis et tout. C'est mal, mauvais. Finalement, je veux parler à quelqu'un, mais j'ai pas de téléphone et tout. Mais il y a un autre gars qui a un téléphone, du coup, je vais voir ce gars, je dis, hey Jason, passe-moi un peu ton téléphone et va appeler maman. Et là, j'appelle maman pour lui raconter. Elle décroche et tout. Elle m'a regardé, elle a vu mon visage, elle a su que j'étais mort. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je voulais ouvrir la bouche pour dire, on a pris le temps, j'ai versé, j'ai pleuré seulement. Je voulais ouvrir la bouche pour dire, ils ont pris le téléphone, ça va être... Merde, je m'aime pas plus. Je me suis mis à chialer, non, j'étais brisé. J'avais tout dans ma tête. D'abord l'isolement, non, interdiction pendant 90 jours, isolement pendant 1 mois, le pingouin, me laver avec les... Parce qu'après 3 mois, tu pues, tu peux pas te laver avec des chaînes, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, les gars. Ton truc, je vais me laver, non. Laisse tomber, oublie. Ah, j'ai pleuré direct comme ça sur le téléphone.
J'ai pleuré comme ça direct sur le téléphone. Tu vois, ça m'a claqué quand j'étais en prison, cette histoire-là. Et j'ai passé toute la journée, j'étais torturé psychologiquement. J'attendais toujours à quel moment le gardien de prison va venir me dire « Oh, le régisseur t'appelle ». Finalement, l'heure fatidique est arrivée. La diarrhée, tout est arrivé. J'ai eu envie d'aller aux toilettes, mais ça ne servait à rien. C'était dans la tête. C'était dans la tête, on est obligé de partir. Je suis allé voir le régisseur. Est-ce que c'est la première fois que le régisseur attrape le téléphone? Non, il connaît. Donc quand il te voit, il sait qu'il va te détruire. C'est son moment de t'humilier aussi. Tu es tombé dans le piège que tu arrives chez lui pour qu'il te brise psychologiquement et te mette à sa disposition. Donc, il m'a fait briser. Il me dit qu'un grand comme toi, on te laisse avec le téléphone, tu ne peux pas te comporter. Non, c'est parce que je sais que vous en avez besoin. Et c'est monté, c'est descendu. Mais tu te comportes comme un enfant. Si vous voulez qu'on vous traite comme les enfants, on va vous traiter comme les enfants. Oh là 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 là. Mais le gars, il te naît. Mais tu milites. Et toi, tu es là, ouais, excusez-moi, monsieur le régisseur. Excusez-moi quoi? Non, patati, te parle. J'étais là, j'ai rien à dire, frère. T'as rien à dire. Il te sermonne, il te réduit. Il t'amenuise, il te baisse ton charisme, il te brise. Quand il est sûr qu'il t'a brisé, il te donne, te dit pas. Tu pars et le papier te suit quelques semaines après. Toi, donc je suis parti et tout. Et après, j'ai attendu. Le verdict est arrivé. J'étais comme quelqu'un qui était... Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Je crois que c'était mon jour de chance. Peut-être que j'étais valséro. Parce que je n'ai pas eu 3 mois de non... Mais j'ai plutôt eu 1 mois et demi de non-visite. 1 mois et demi, ça fait 45 jours. Ça aurait pu être 90, là. Ça aurait pu être plus. Mais bon, je me suis contenté de 45 jours. Pour l'isolement, j'ai des gars, j'ai des frères. Je te jure devant Dieu, si tu me vois encore avec un téléphone, tu me mets la balle dedans. Il y a quand même une faute pas et d'abord pardonner une fois, non. Je l'ai dit que Soso, le père, pas l'isolement. Je vais mourir. Je vais mourir. J'ai dit que l'odeur va me tuer. Je suis d'accord, je suis un prisonnier. Mais frère, tu me connais quoi? Pourquoi? Il y a des gens, tu les laisses. Le gars, il m'a regardé comme ça, il a même failli mourir de rire. J'ai dit, frère, il y a des gens, tu les laisses, non? Quand tu peux me laisser. Enfin, il me dit, tu auras encore un téléphone, je vais encore t'arrêter. J'ai dit, oui, mais attendons le jour-là. Mais pour aujourd'hui, là, boss, allez, sois cool. Il m'a regardé, il m'a dit, dégage, dégage. Tu vas juste prendre 45 jours. Parce que c'est la règle. Il avait été cool avec moi, le régisseur. Quand même. Quand t'as mon frère, t'avais été bien. T'aurais pu me mettre en isolement, ça aurait été la merde. Ça aurait été la merde, je serais mort d'étouffement. Tu vois. Donc, ils sont pas si tous méchants que ça, quoi. Parfois, ils avaient des côtés humains. Comprenaient. Et ça, c'était important. Donc, Bruno Bidjan, il va falloir que tu apprennes à négocier avec les gens. Ok, va falloir que tu apprennes à négocier. Eh les enfants, on va revenir sur la vidéo de Gilbert Baola parce que j'ai fini par la décrypter proprement et je vais vous l'expliquer au cas. Ok, ceux qui ne l'ont pas, c'est dans le podcast du matin le premier. C'était papa.